on attaque une nouvelle série consacrée à la cryptographie. Pendant très longtemps, la cryptographie a été réservée à l'armée et aux services de renseignement. Les services secrets américains, russes, britanniques, français, israéliens et du monde entier ont dépensé des sommes colossales pour sécuriser leur propre communication tout en essayant de casser celle des autres. De nos jours, la cryptographie est utilisée par tout le monde. Le chiffrement est la principale application de la cryptographie. Il permet de rendre les données incompréhensibles afin d'en assurer la confidentialité. Le chiffrement nécessite un algorithme de chiffrement et une valeur secrète appelée la clé. Si vous ne connaissez pas la clé secrète, vous ne pouvez pas déchiffrer le message chiffré. Il existe principalement deux types d'utilisation du chiffrement. Le chiffrement en transit protège les données transmises d'une machine à une autre. Les données sont chiffrées avant d'être envoyées et déchiffrées après avoir été reçues. Le chiffrement au repos protège les données stockées en mémoire. Les données sont chiffrées avant d'être écrites en mémoire et déchiffrées avant d'être lues. En plus d'assurer la confidentialité, on demande souvent à la cryptographie d'effectuer d'autres tâches. L'authentification. Le destinataire d'un message doit avoir la possibilité d'en vérifier l'origine. Un intrus ne doit pas pouvoir se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le contrôle d'intégrité. Le destinataire d'un message doit pouvoir vérifier qu'il n'a pas été modifié en cours de route. Un intrus ne devrait pas être en mesure de remplacer un message légitime par un faux. La non-répudiation. Un expéditeur ne doit pas pouvoir nier être l'auteur d'un message lorsque c'est le cas. Les gens ordinaires ont-ils vraiment besoin de ce genre de sécurité? La réponse est oui. Ils peuvent très bien planifier une campagne politique, discuter des impôts ou avoir une liaison extra-conjugale. Ils peuvent aussi travailler à la conception d'un nouveau produit, discuter d'une stratégie de marché ou planifier un rachat d'entreprise. Ou bien encore, peut-être qu'ils vivent dans un pays qui ne respecte pas le droit à la vie privée. Ils font peut-être quelque chose qui ne devrait pas être illégal selon eux, mais qui l'est. Pour quelque raison que ce soit, les données et les communications sont personnelles, privées, et ne sont les affaires de personne d'autre. Whitfield Diffie est un cryptographe américain. Il est à l'origine, avec Martin Hellman, du concept de clé publique. The reason that the individual privacy was concerned to me, I saw something that both has and hasn't come to pass, so to speak, but I rather imagined we were moving forward technically into a future in which either technology could be used to protect the individual or technology could be used to assault the individual. I had this vision that cryptography was the only one of the privacy technologies I knew that actually would protect the individual. And I went around trying to talk a variety of people who now wish they had been persuaded into working on this problem. But none of them were interested at the time. I had, you know, I was a hippie, I had a counterculture viewpoint, and I was very interested in protecting the individual. Les techniques et recherches visant à sécuriser les messages appartiennent au domaine de la cryptographie. A l'inverse, celles qui ont pour objet de déchiffrer un message chiffré, sans posséder la clé de chiffrement, sont du domaine de la cryptanalyse. La branche des mathématiques qui englobe à la fois la cryptographie et la cryptanalyse s'appelle la cryptologie. Un algorithme cryptographique est une fonction mathématique utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement. Avant l'arrivée des ordinateurs, la cryptographie consistait en algorithmes basés sur les caractères.
les algorithmes cryptographiques, selon les cas, substituaient des caractères par d'autres, ou bien intervertissaient le positionnement des caractères entre eux. Un chiffrement par substitution est une méthode de chiffrement dans laquelle chaque caractère du texte d'origine est remplacé par un autre caractère dans le texte chiffré. Par exemple, le fameux chiffre de César est un chiffrement par substitution dans lequel chaque caractère est remplacé par le caractère décalé de 3 rangs dans l'alphabet. Dans un chiffrement par transposition, le texte d'origine reste le même, mais l'ordre des caractères est modifié. Les choses sont plus complexes de nos jours, mais les principes restent les mêmes. Le principal changement, c'est que les algorithmes travaillent sur des bits au lieu de travailler sur des caractères. Les algorithmes de chiffrement reposent sur deux composants fondamentaux. Une permutation, qui est une fonction permettant de transformer des données de telle manière que, pour des données différentes en entrée, le résultat obtenu ne soit jamais le même. Et un mode d'opération, qui est un algorithme utilisant une permutation pour traiter des messages de taille arbitraire. Pour construire un chiffrement sécurisé, il faut combiner une permutation sécurisée avec un mode sécurisé. Le one-time pad est l'algorithme de chiffrement le plus sûr, garantissant une confidentialité parfaite, quelle que soit la puissance de calcul de l'attaquant. Dans le one-time pad, la clé aléatoire est de la même longueur que le message à chiffrer. De plus, la clé aléatoire ne peut être utilisée qu'une seule fois. Il s'agit d'une simple opération OU exclusif, ou XOR, que ce soit pour le chiffrement ou le déchiffrement. Le one-time pad n'est cependant pas pratique à utiliser parce qu'il nécessite une clé aussi longue que le texte en clair et une nouvelle clé aléatoire pour chaque nouveau message. Par exemple, pour chiffrer un disque dur d'un téraoctet, vous auriez besoin d'un autre disque dur d'un téraoctet pour stocker la clé de chiffrement. Le terme « texte en clair » fait référence au message non chiffré, le message d'origine. Le terme « texte en clair » peut désigner un flux de bits, un fichier texte, un bitmap, un flux de voix numérisée, une image vidéo numérique, etc. Le texte en clair, fondamentalement, ce sont des données. Le terme « cryptogramme » ou « ciphertext » fait référence au message chiffré. Toute la sécurité des algorithmes de cryptographie moderne est basée sur la clé, pas sur les détails de l'algorithme. Cela signifie que l'algorithme peut être publié et analysé. Les opérations de chiffrement et de déchiffrement utilisent cette clé. La plage de valeurs possibles pour la clé s'appelle le key space. Il existe deux types d'algorithmes basés sur des clés. Les algorithmes symétriques sont des algorithmes où la même clé est utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement. Ces algorithmes nécessitent que l'expéditeur et le destinataire s'entendent sur une clé avant de pouvoir communiquer en toute sécurité. Les algorithmes asymétriques, aussi appelés algorithmes à clé publique, sont conçus de telle sorte que la clé utilisée pour le chiffrement soit différente de la clé utilisée pour le déchiffrement. De plus, la clé de déchiffrement ne peut pas être calculée à partir de la clé de chiffrement. On parle ici d'algorithme à clé publique parce que la clé de chiffrement peut être rendue publique, mais que seule une personne possédant la clé de déchiffrement correspondante peut déchiffrer le message. Dans le chiffrement asymétrique, il y a deux clés. Une pour chiffrer, l'autre pour déchiffrer. La clé de chiffrement est appelée clé publique et est en général mise à disposition de toute personne souhaitant vous envoyer des messages chiffrés. La clé de déchiffrement doit en revanche rester secrète et c'est pourquoi on l'appelle clé privée. La clé publique peut être calculée à partir de la clé privée, mais évidemment la clé privée ne peut pas être calculée à partir de la clé publique. Pour être plus précis,
il est facile de calculer dans un sens, mais pas dans l'autre. Les chiffrements symétriques et asymétriques sont les deux principaux types de chiffrement et ils sont généralement combinés pour construire des systèmes de communication sécurisés. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la cryptanalyse, autrement dit aux techniques pouvant permettre de déchiffrer un message lorsqu'on ne dispose pas de la clé de chiffrement.